forcé pour rentrer. And now he's trying to get back in. Il ne peut pas rentrer dans l'église. He does not want to get back into the church. Mais il veut rentrer à ses enfants. He wants to get into his children. Ce n'est pas dans la chair qu'il va entrer. It's not in the flesh that he will enter in. Mais c'est dans votre âme qu'il doit entrer. But it's in your soul. That's where he wants to come in. Pour que vous puissiez vaincre le péché aujourd'hui. In order for you to overcome sin. Ou si vous voulez vaincre le monde aujourd'hui. Also, you need to overcome the world. Christ doit entrer en vous. Christ must enter in you. Et si Christ entre en vous. And if Christ comes in you. Vous allez vaincre tous les combats qui sont suivis. You are going to overcome in all the fight that you go. Vous allez vaincre le monde. You will overcome the world. Vous allez vaincre le péché. You will overcome sin. Vous allez vaincre tout ce qui arrive dans ce monde. You will overcome everything that comes to the world. Vous allez vaincre Facebook. You will overcome Facebook. Vous allez vaincre tout ce que vous regardez. You will overcome everything that you watch. Parce que Christ en vous. Because Christ in you. C'est l'espérance de notre gloire. It's the hope of glory. Christ en vous. Christ in you. C'est Jésus Christ. It's Jesus Christ. Qui marchait dans cette terre. Who used to walk up on the earth. Qui guérissait les malades. Who was healing the sick. Qui pardonnait les péchés. Who forgave sin. Et à cela vous allez vaincre. And to that you are going to overcome. Sans Christ. Without Christ. Vous n'allez vaincre aucun péché. You will never overcome. No sin. Je peux continuer? Can I continue? Amen. Dans l'ensemble, l'église l'avait rejeté. The church rejected him. Mais remarquez-le bien. But notice. Son appel ne s'adresse pas à l'église tout entière. His call here is not to just the church. Son appel à lui. His call. Il ne s'adresse pas à l'église tout entière. He's not talking to the whole church. Oh non, mais il a parlé à l'église. No, but he actually spoke to non, the church. Christ parle à toi. No, Christ is speaking to you. Christ parle à moi. And Christ is speaking to me. Ce n'est pas un groupe. It's not a group. La Bible dit ceci. The Bible says. La vie éternelle. Eternal life. C'est une vie individuelle. It's an individual affair. Je disais à ma fille. I was talking to my daughter. Tu vois le conseil que je te donne. You see my advice. Les choses que je vous parle. The things I'm talking to you about. Je vous parle parce que je veux vous avoir la vie de Christ en toi. I'm saying these things because I want you to have the life of Christ in you. Hallelujah. Parce que si vous n'avez pas la vie de Christ en toi. Because if you don't have the life of Christ. Le jour où Dieu va enlever le souffle en moi. The day when God is going to take this breath of life of me. Là-bas. And that I lay down. Avec l'amour que tient envers moi. With the love that you have to si vous n'avez pas Christ en vous. If you do not have Christ in you. Vous allez prendre plusieurs photos de ma face. You are going to take a lot of pictures of my face. Parce que vous ne me verrez plus jamais. Because you will never see me anymore. Parce que là où je serai. Because now the place where tu ne seras pas. You will not be there. Et tu vas m'oublier complètement. And then you will forget about me completely. Si tu veux. But if you want. Que je sois avec toi éternellement. That I will be with you eternally. Tu dois respecter ce que je te dis. You must respect what I'm telling you. Et ce jour, j'ai vu ma fille en train de pleurer. And then I saw my daughter actually crying. Mon frère et soeur. My brothers and sisters. Cet âge ici. This age. Branham dit. Branham says. Que tous les esprits. That all the spirits. Qui ont commencé depuis le jardin de Dieu. Since the Garden of Eden, tous ces esprits, all these spirits, ils sont arrivés à la fin. They have come to the end. Et tellement qu'ils sont arrivés à la fin, so much to the end, ils ont multiplié la force. That they strengthen much more. Et la force qu'ils ont multipliée, and the strength that they have, c'est d'écarter les enfants de Dieu vers le ciel. Is to take God's children away from the path. Pour les distraire. To distract them. Mais regardez la technologie aujourd'hui. Look at the technology today. La technologie est arrivée dans un niveau extraordinaire.
extraordinaire. Technology has reached levels as ever before. Et de cette technologie, and from that technology, a pris nos enfants. It took our children. Non, ce n'est pas seulement les enfants. I'm not talking just. Ça a pris tout le monde. It took everybody. Avant. Before, quand j'allais voir mon frère, when I would go see my brother, mayang de celle lui avec sa famille, at his house and his family, on se mettait là, we would sit down, en train de parler, we would be talking, en train de causer, we would be talking, et je voyais ma sœur Annie, and I would see my sister avec Annie, mon épouse, and my wife, avec la sœur Véro, and sister Veronica, dans la cuisine là-bas, in the kitchen, en train de causer, and then they would be talking. Mais aujourd'hui, but today. Le diable, the devil, vous a séparé. He has a separate. Sur la même table. But sitting on the same table. Vous êtes là à la table. On the table. L'homme est dans le téléphone. And the husband les, on the phone. Les enfants sont dans le téléphone. The children on the phone. La sœur est dans le téléphone. The sister on the phone. Et vous pouvez rester comme cela. You can stay that way. 5 heures. 4 hours. Vous ne pouvez même pas voir que vous êtes en train de parler. You never notice one talking to nous the other. Devons vaincre ces choses. We must overcome these things. Ce sont des distractions du diable. These are distractions from the devil. Nous devons rentrer dans la communion avec Dieu. We must come back to the fellowship with God. Nous devons vaincre le monde avec toutes ces choses. We must overcome the world with these things. Si nous voulons voir Dieu, if we want to see God, si nous voulons adorer le Dieu de William Branham. If we want to worship the God of William Branham, let's get back to the Word of God. We must get back to the Word of God. La face de Dieu. And seek the face of God. À ce moment-là, at that time, then, va venir vers nous. Then God will come towards us. Vous savez pourquoi Branham? You know why Branham? Était l'ami de Dieu. He was the friend of God. C'est parce qu'il donnait toute sa vie pour chercher la face de Dieu. It's because he surrendered all his life seeking the face of God. S'il fait quelque temps, if you do spend some time, il ne sent pas l'onction. He does not feel the anointing. Il va dire, qu'est-ce que j'ai fait? He will say, but what have I done wrong? Lord, il va chercher aller à la chasse. He will try to go hunting. Pour aller prier Dieu. To go and pray God. Voilà l'âge auquel nous vivons aujourd'hui. Age in which we are living. C'est un âge difficile. It's a very hard and difficult time. C'est un âge plein de péchés. It's an age that is full of sins. Vous pouvez même pécher. Vous êtes vous-même dans votre chambre, vous êtes en train de pécher. You can even be sinning alone in your room. Comment puis-je vaincre? How can I overcome? Frère Branham dit. But the Branham said, rentrez dans la parole de Dieu. Get back to the Word of God. Si vous voulez vaincre. If you want to overcome, respectez la parole de Dieu. Keep the Word of God. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? What does the Word of God say? Nous ne sommes pas dans les groupes de prière. We are not in prayer groups or. Nous ne sommes pas des catholiques. We are not Catholics. Nous sommes dans le message du temps de la fin. We are in the end time message. Et le message du temps de la fin. And the end time message. Un frère ne peut pas parler mal d'un autre frère. A brother cannot speak evil of another brother. Une sœur ne peut pas parler mal de quelqu'un d'autre. A sister cannot speak evil of somebody else. Dans le message du temps de la fin. In the end time message. Je vois le fils de mon frère. I see the son of my brother. Ou la fille de mon frère. Or the daughter of my brother. Il fait quelque chose de mal. And he do something wrong. Je pars, je vais chez lui. I go, I kneel down. Et je prie pour cet enfant-là. And I pray for that child. Voilà le message du temps de la fin. That's the message of the end time. Mais ce que le diable nous a amené aujourd'hui. What the devil has brought us. Ce sont les systèmes dénominationnels. Is denominational systems. Nous sommes pas les dénominationnels. We are not denominational. Nous sommes dans le message du temps de la fin. We are in the end time message. Prêché par William Marion Branham. Preached by William Marion Branham. Qui l'a fait? Il a menti à son avocat. Who, when he lied to his attorney, et il voulait aller prier pour un malade. And he was about to pray for a sick person, je lui dis non. God told him, no, n'y allez pas.
Don't you go. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? What have I done wrong? Tu dois vaincre cette chose. You must overcome that thing. Tu dois purifier cette chose. You have to make right that tu thing. Tu dois enlever cette chose dans votre chemin. You have to take that thing out of the way. Il appelle, il prend le téléphone. Then he pick up the phone. Oh, mon frère, je voulais aller à l'église. He did, oh, my brother, I was about to go to church. Mais mon cœur m'a condamné. But my heart was actually against me, condemning me. Mal agi. And I feel that I have done alors, wrong. Aide-moi. So help me. Pardonne-moi. Forgive me. Regardez la chose que j'ai dit. And look at the thing I have said. Et votre frère prie pour vous. And your brother prays for you. Mais quand vous ne le faites pas. And when you don't do that. C'est lui qui va aller avec vous. The one that will go with you. C'est le diable. Is the devil. Même si cet enfant est guéri. Even if the person you pray for is healed. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. You are not in agreement with God. Vous devez vaincre cette chose. You must overcome that. Vous devez vaincre le péché. You must overcome sin. Vous devez vaincre l'orgueil. You must overcome pride. Vous devez vaincre le maçon. You must overcome lying spirits. Vous devez vaincre tout le monde. You must overcome everything. Avec toutes ces pratiques. And all the world practice. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit, oh non, but you vois, Fred. No. It's not something you pay and say, you see, we understand. C'est une obligation. This is a must. Vous devez. You must. Naître de nouveau. Be born again. It's a must. De vous vaincre le péché. In order to overcome, vous devez rentrer en Christ. You must come into Christ. Continue. Let's move on. Première chose que tu dis, voyez-vous, non pas à toute église. Brother Branham says, paragraph 38. But now notice, his call there is not to just the church. Le corps de l'église. Not the church. Mais à celui qui vaincra. But it's he that overcomes. La personne, l'individu qui vaincra. The individual that will overcome. C'était par l'église de Laodicée. And Laodicea had it coming to her. Nous voyons que cela est pour l'âge de Laodicée. Now we see then. Knowing that this is the Laodicean age. Est-ce que nous vivons dans la Laodicée? Are we living in the Laodicean age? Oh, c'est parce que les gens ne connaissent pas que nous vivons dans la Laodicée. It seems that people do not know we living in Laodicean age. Alors, frère, continue dit. But the Bible. Et nous savons que cet âge a besoin d'une sérieuse réprimande de la part de Dieu. And knowing that this age needs a sharp rebuke from God. Est-ce que vous connaissez ce qu'on dit réprimande? Do you know what is called a rebuke? C'est dit, vous imposez quelque chose. In other words, you impose something. Vous dites clairement la chose. And you say the thing clearly. Vous savez Jésus? You know Jesus. Les regardez les disciples. He looked at the disciples. Il a fait du temps avec les disciples. He spent time with disciples. Et il dit aux disciples. He said to the disciples. Si vous ne mangez pas ma chair. If you don't eat my flesh. Si vous ne buvez pas mon sang. If you don't drink my blood. Vous n'avez pas part en moi. You don't have part in me. Quelle déclaration. What a statement. Mais on t'a suivi des années. We followed you year on for years. On a été avec toi. We have been with you. Mais nous dire des choses comme ça, ça brise le cœur. To tell us these kind of things that break our faith. Et pour que vous puissiez être avec moi. He said, in order for you to be with us. Vous devez manger ma chair. With me, you must eat my flesh. Et boire mon sang. And drink my blood. Alors que le frère continue dit, il a besoin d'une sévère réprimande. It needs a sharp rebuke.